Eh bien bonjour, c'est reparti pour un nouveau vlog. Alors vous voyez peut-être pas, mais j'ai vraiment une sale tête, je suis enrhumé, pas très bien dormi, j'ai une voix qui sent la maladie. J'ai chopé un rhume, j'ai le nez bien pris. Mais aujourd'hui, il me reste 2 heures de cours à faire à Vichy. Ce matin, ce rhume a un petit peu changé ma petite routine. J'ai fait quelques images, mon petit déjeuner presque habituel. Mais par contre, ma routine de sport, c'était un peu compliqué. J'ai fait quelques squats, mais guère plus. J'ai lu et j'ai écrit dans le train. Voilà, je vous ai fait quelques images. Donc à Vichy. Alors je dois dire qu'il y a un côté assez surprenant finalement de se dire que c'est le dernier jour aujourd'hui de cours. En fait on m'a proposé d'intervenir en IUT cette année. D'abord en première année puis finalement aussi en deuxième année, donc ça a fait un nombre d'heures imprévues. Mon planning était totalement calé pour que je vienne tous les lundis depuis des semaines et je me rends compte que lundi prochain, rien n'a plus. Donc je vais profiter qu'il fasse un super beau temps pour aller faire quelques images de l'Allier. Donc d'abord boire mon café, acheter du café parce qu'après j'aurai plus de stock. Bon allez, j'ai fini mon café, il me reste à peu près une petite heure avant le début de mon cours. Comme promis, je vais vous faire quelques images, alors non pas de toutes les rues de Vichy, etc. parce que dans le vlog précédent, vous avez déjà vu un petit peu. Je vais aller sur le bord de l'Allier, faire quelques... Ouais, c'est vraiment mon coin préféré, plutôt que les rues. Donc on va aller faire quelques images là-bas, puis on va voir si... Peut-être, pourquoi pas, peut-être des canards. Il faudra quand même qu'on m'explique comment c'est possible de retrouver une chaudière comme ça dans l'Allier. Bon ben voilà, c'est la fin du petit tour. Vous voyez, là je suis vraiment à la cool, vraiment tranquille. Il est 10h, pas vu de canard, désolé. Voilà, je vais retourner à la fac parce qu'en fait j'ai un petit peu de trucs administratifs, il faut que je demande à un ou deux éléments au service informatique. Et puis j'irai retrouver mes élèves pour donc les 2 dernières heures de cours ici pour cette année. Je reviendrai ensuite au mois de juin pour un jury de recrutement. Voilà. Bon ben voilà, dernier cours terminé. Aujourd'hui c'était une restitution de leurs travaux sur WordPress, WooCommerce, etc. J'avais tous leurs dossiers. Certains ont montré ce qu'ils avaient fait sur l'écran. Là on a pu voir un petit peu différentes options, des choix de thèmes, etc. Et désormais, ben, il me reste à corriger tout ça. Mais on rentre à la maison bien sûr. Allez, moi je suis reparti. Mon rhume s'arrange pas, donc je pense que... Cet après-midi, j'ai kiné, mais j'irai pas courir comme j'avais prévu ça. Je pense que c'est mal parti pour, en tout cas. Bon ben voilà, la boucle est bouclée, je suis de retour à la maison. J'ai pas eu le temps d'aller manger, et notamment j'ai pas le temps donc de faire mon sujet que j'ai prévu chez Subway pour montrer un sandwich équilibré chez Subway. Bon, c'est
que partie remise, hein. Je vous ferai ça une autre fois. Maintenant, je vais rentrer à la maison, je vais manger à la maison. Je pense que je vais faire une sieste. Je montrerai ce vlog et je déciderai ensuite si je vais courir après, être allé voir la kiné ou pas. Pour l'instant, je me sens moyennement, mais je me dis d'un autre côté que d'aller courir, ça me ferait peut-être du bien. On va peut-être évacuer les microbes en transpirant, enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, je me tâte parce que courir quand on est malade, c'est pas non plus top. Voilà. Ce qui est sûr, c'est la sieste. Bon, je me réveille, presque 2 heures de sieste. J'étais quand même en cramoisi en rentrant. Je me suis dit, je vais aller lire un peu et puis m'endormir, faire une petite sieste une demi-heure. Et me voilà 2 heures plus tard. Et puis maintenant, je vais voir la kiné, puis je rentrerai. Je vais juste essayer de faire suffisamment de pas. Et en allant acheter du Fervex, comme ça. Et ce soir, ça me permettra de passer une meilleure nuit. Parce que moi, le Fervex, c'est radical. J'espère que demain, sera la plus grande forme. Sur ce, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Parce que finalement, il n'y a plus grand chose à voir. Et je peux vous montrer un Fervex en ébullition. Enfin, en effervescence. Pardon. Je vous dis, je suis totalement HS. Voilà donc. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une soirée, une semaine, quel que soit le moment où vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt. J'oublie pas. Bientôt, je vous ferai la vidéo de comment manger un sandwich équilibré à Subway. J'ai prévu plein de petites vidéos aussi, de choses. Mais avant, il faut que je retrouve la forme. Alors, faites attention au virus, faites attention au rhume, couvrez-vous bien. Avril arrive, mais en avril, ne découvrons pas d'un fil. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.